Bonjour, bonsoir. J'aimerais vous partager une anecdote. J'étais avec mon frère et ma belle-sœur en famille. Nous mangeions de la choucroute et il y avait mon filleul de 10 ans et son petit frère de 9 ans. Et je dis, ils sont allés chez des amis et le repas, ils n'aimaient pas du tout. C'était des pâtes au roquefort. Et les enfants ont fait semblant. Et je dis, ben non, maintenant, il faut être honnête. Et là, ben, on en a tous discuté. Ma belle-sœur dit, non, c'est vrai, les enfants disent, merde, pas bon, c'est très grossier, moi je ne veux pas. Enfin, nous avons débattu. Et alors là, j'ai eu un magnifique cadeau, parce que le petit s'est tourné vers moi. Mais un quart d'heure après, ma reine, je voulais te dire, je n'aime pas la choucroute. Et entre adultes, on s'est dit, on peut dire la vérité à qui veut bien l'entendre. Sur ce, n'est-ce pas? Voilà. Quand vous avez fait vos recherches et que vous avez découvert un autre univers magique, celui qui ne veut pas l'entendre, laissons-le. À nouveau, ne jugeons pas. Profitons de nos connaissances pour évoluer, être en paix, trouver une harmonie dans sa vie. Trop légal, trop. Voilà, et avancez vaillamment. Restez convaincu, en conviction de ses idées. Se respecter, respecter l'autre. Suivre son intuition. La lumière de la vérité est en toi. C'est ta vérité. Et ne plus avoir peur. D'affirmer ses convictions. Ah, vous allez voir, c'est très beau. La lune. Se reconnecter à sa spiritualité permet de réévaluer sa vie différemment. Et d'avoir des clés, je vois aussi une boussole, la clé à un univers qui est merveilleux, qui est magique. Et tout le monde y a accès. Patience. Tout le monde y a accès. Il suffit d'ouvrir. Il suffit d'ouvrir la porte. C'est le secret. D'être patient. Téméraire, patient. Voilà quoi.
Les héros du journal de Spirou, oui. Famille Givré, je demande Fabio. Pioche. Voilà. Les Givré, tous ensemble, tous ensemble. Oui, oui. Tous ensemble, tous ensemble. Oui. Tous ensemble. Sur YouTube. Youhou! La stratégie. Ouvrir la porte du paradis et quitter le monde obscur de ce mental. Cette pensée. Voilà. Être bien dans sa peau, zen, aller se promener en nature, se retrouver, se respecter. Et voilà la force obscure. Toutes ces personnes qui sont stressées, comme tout le monde l'a été, mais on a le choix. On a le choix de quitter la peur et de danser la vie. Je vais vous montrer, j'ai oublié de montrer l'oracle à haute vibration de Jenna. Suis son intuition. De nouveau, intuition, intuition, absolument suivre son intuition, pour être bien dans ses bottes, bien dans ses baskets. Et c'est pas facile. Et de retrouver des relations à haute fréquence. Nous correspondent. Waouh, relation. Là, c'est plutôt on guérit de là. Pas bien. C'est très joli ça. Magnifique. Eh bien, tous ensemble, quittons le côté obscur et allons vers cela. Il y a un petit. Il est chouette celui-ci. Je suis fort et concentré. Et j'agis par moi-même, j'ai le pouvoir de créer de merveilleuses nouvelles réalités dans ma vie. Go! À demain!